À la Révolution, Vergniaud et les Girondins se réunissent fréquemment dans un café situé place des Bans, dans l'ancienne maison médiévale dite Marmignon, du nom de l'un de ses propriétaires. En 1918, cette maison est détruite lors de l'alignement des façades de la place. Le nouvel immeuble, construit par l'architecte Claude Lamargue, intègre des éléments de l'ancienne façade médiévale. Trois arcs brisés sont insérés dans le mur du premier étage et des modillons aux motifs d'animaux et de personnages soutiennent le bandeau au-dessus du rez-de-chaussée.